On dirait que c'est pour passer du bon temps que tu es arrivé dans cette ville. Je comprends pas bien. Tonton, toi-même tu penses qu'avec cet état d'esprit, tu allais pouvoir laver le visage de Maman Choco? Je te permets pas de m'insulter. Pour qui te prends-tu maintenant? Grand frère, loin de moi l'intention de te fâcher. Juste une manière pour moi de te faire comprendre que dans cette ville, je n'ai pas où vivre. Alors que ton grand frère a laissé des chambres en location. Et tu te permets toi de boire ta bière en regardant la télé? Mais que veux-tu que je fasse? Tu vois cette lionne prête à dévorer tout sur son passage. J'ai d'un côté mes nièces, de ce côté mes petites sœurs. Essaye de me comprendre. Comprendre quoi? Donc tu t'es quand même déplacé du village pour la ville. Alors que tu sais que tu es dans l'incapacité de pouvoir résoudre ce problème, tu es venu faire quoi? Tu sais ce que j'ai enduré avant de quitter cette ville? Moi, j'ai dû coucher avec des hommes que je ne voulais pas. Juste pour avoir un toit où dormir. Avec le froid, j'ai dormi à même le sol. La meilleure. Je suis quittée de cette ville, partie dans un fond du village. Parce que je suivais un vieux. Juste pour oublier tout ceci. Mais tu es venu avec Michel. Vous m'avez dit ceci. Akamba, remonte en ville. Tout cela va s'arranger. Et comme si cela ne suffisait pas, vous êtes là, vous deux, rien ne vous dérange. Vous êtes dans l'impasse de pouvoir faire quoi que ce soit. Moi-même, je vais encore me battre. Tu trouves ça normal, tonton? Non. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. Je comprends ta douleur et tes souffrances. Mais comme j'ai dit, je ne peux rien. Cependant, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Si c'est dur en ville, si ça ne marche pas en ville, j'ai un grand espace au village et des champs que tu peux cultiver. C'est très drôle. Grand frère, ce que tu dis est tellement drôle. Juste que je n'ai pas envie de rire. Tu m'as bien regardé. Donc c'est à ça que tu me réduis. Les champs, le village. Pendant ce temps, mes amis seront en ville en train de vivre la belle vie. Tu as pensé à ça? Akamba, la vie est belle partout. Écoute très bien, la vie est belle partout. Que Satan ne vous séduise plus. Chacun crée son univers selon sa convenance partout où il se trouve sur la terre. Prends bien au sérieux ce que je te dis. Ok. Cher grand frère, si le village te convient, toi, moi, c'est la ville qui me convient. C'est comme bon de sens. Regarde-moi. Je sors du village. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose.
pour envoyer ses enfants à l'école, pour survivre dans la vie. Chose promise, chose faite. Directement, elle s'est engagée dans le cafétariat. Ça tournait à merveille. Dieu même qui pense qu'il a tué les trois. De l'autre côté, les menaces passées par là. Sa belle famille ne lui donnait pas le lait. Il n'était pas là. Toujours est-il dit qu'il fallait donc lapider les biens de son mari afin de partager le butin vraiment ensemble. Comme elle ne se laissait jamais faire, elle s'est lancée dans le cafétéria. Cafétéria, mamie Choco. Oh, la vie de l'homme. Pourquoi maltraiter la veuve? Autant du vivant de son mari, ça ne se passait pas. Oh, la vie. Je n'ai pas de nouvelles. Et je pense que c'est la meilleure chose que je fais. Parce que maintenant, je suis un petit peu plus facile. Bon, si tu le dis. Et comment tu as géré avec ton bailleur? Voilà! C'est par là qu'il fallait commencer. Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. L'argent que tu m'as donné dernièrement, je suis allée le remettre à ma sœur pour payer la dette que je lui devais. Elle était tellement contente qu'elle m'a invité à prendre un pot avec un de ses amis. Et ce dernier est venu avec un autre de ses amis qui vient du cité. Le gars a directement flashé sur moi. Je me suis lancée. La petite coquine. Et alors je te parle. Le gars a payé toutes mes dettes. Sérieux? Je te jure. Et en un claquement de doigts. Je suis tellement contente de retrouver ce sourire sur ton visage, ma copine. Ah. Il faut que tu le rencontres. Je lui ai déjà parlé de toi. Ah bon? Ok. On va arranger ça. Tu vois, on s'est perdu de vue pendant beaucoup d'années. Et je ne voudrais plus que cela arrive. Tu sais, de toutes les amies que j'ai eues, tu es la seule qui a toujours été vraie avec moi. Et du coup, je voudrais t'inviter à la maison ce week-end. Et on va prendre un dîner ensemble. Il n'y a pas de souci. Et si ton nouveau petit copain est disponible, il est le bienvenu. Ok, je vais lui en parler. Tu peux compter sur moi. D'accord. On va s'amuser comme des fous. Comme à l'époque. Comme à l'époque. C'était tellement génial. Oh. Tu te rappelles quand on était avec Richard? Justine, pourquoi vous fuyez? Jamais je te demandais qui te foutu. Personne, juste que je suis en retard. Oh Maria, Maria, tu vas finir par me donner une crise cardiaque un jour. Bonjour Maria. Bonjour Tata Nina. Ça va? Maintenant que je suis là, oui. Maria, les femmes. Au fait, les hommes ne courent pas pour rien, Maria. Je suis une femme. Maria, homme avec grand H. Homme et femme. Qu'est-ce qui te faisait donc courir comme ça? J'étais à l'hôpital, mon papa. Où? Ok, tu es là. Qu'est-ce que tu vas donc faire, Maria? Je ne sais pas. J'ai vraiment envie de changer cette terre
pour mettre de l'ordre dans ma tête. Qu'est-ce que tu en penses, cher Néma? Je pense que c'est une très bonne idée. Ainsi, je mets tout en stand-by ce week-end et on va limer. Merci beaucoup. Je savais que tu allais trouver la solution rapide. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Je comptais me rendre dans un restaurant de la place. Mais comme tu venais, je remis tout cela plus tard. Mon cher Indéma, à cette allure, tu dois perdre le poids. Qu'est-ce que je peux te faire rapidement à manger? Maman Choco, tu veux préparer pour moi? Mais Indéma, je te rappelle que j'ai une cafétéria, hein, et que dans ma vie antérieure, je travaillais dans un grand restaurant de la place. Ben, si tu insistes, ça me fera énormément plaisir de te voir à l'œuvre chez moi. Il y a presque tout à la cuisine, hein? C'est par là. Maman, elle est dans mon portefeuille. On t'a pas appris à dire bonjour? Aujourd'hui, là, il ne veut même pas les disputes. J'ai un truc très urgent à faire mon téléphone. Elle est où? Tu as toujours les urgences, même si on ne voit jamais. Justine, c'est vraiment urgent cette fois-ci. Tu connais l'honorable Nora Foster? Parle, qui ne la connaît pas avec son dynamisme? Voilà. En ce moment, elle est en train de recruter les meilleurs TikTokers pour la nouvelle marque de sa gamme de produits. Et comme je te parle là, elle a recruté près de 5 influenceurs. Jusque-là, je... Oui, mais je ne te retrouve pas toujours dedans. Justine, sois mal. Les pièces que tu écris pour moi la dernière fois, non? C'est le meilleur moment pour moi de les jouer, les balancer sur ma page TikTok. Justine. Non. Si ma petite sœur avait besoin de moi sur ce coup-là, qu'est-ce que je pouvais bien faire? Justine, s'il te plaît, tu peux me prêter ton téléphone pour aujourd'hui? S'il te plaît, ma grande sœur chérie. C'est un péché d'être ta sœur. S'il te plaît, ma sœur chérie. Je suis fatiguée de toi. S'il te plaît. Ma grande sœur chérie. Akamba, où vas-tu comme ça? Et sans me dire au revoir. L'étranger dans cette ville, c'est toi. Donc reste surveiller la maison. Moi, j'ai des choses à faire. Hé. Justine, j'avoue parfois que j'ai du mal à te comprendre. Je t'ai plusieurs fois fait part de mon désir de faire partie des réseaux TikTok. À chaque fois, tu m'as découragée. Pourtant, ta petite soeur, tu la soutiens. Pourquoi tu refuses de comprendre qu'elle-même, je n'accepte pas? Pourtant, elle refuse catégoriquement de faire autre chose. Elle dit qu'elle veut être influenceuse nette. Maman a confisqué son téléphone à cause de ça. Tu penses que c'est de gaieté de cœur que je la soutiens? Mais non! C'est parce que je prie un jour qu'elle réalise d'elle-même qu'il y a mieux que ça à faire dans la vie. Maintenant, tu me lâches avec ce sujet. Justine, voilà, la dernière fois, tu as dit que tu devais me parler de tic. Maria, ne recommence pas toi aussi. Justine, bonjour. Tu n'es même pas obligée de répondre. C'est ta mère que je suis venue voir. Et je constate qu'elle n'est pas là. Tu vas lui passer mon message. Tu vas lui dire que moi, Akamba, je ne suis pas revenue dans cette ville blaguée. Voilà. C'est qui? C'est une droguée qui a tellement bu et fumé que ça lui tourne la tête.
S'il vous plaît, arrêtez-moi vos cris de jalousie. Hein? Vous allez gérer ça plus tard. Pour l'instant, on a une cliente à satisfaire. Merci. Passe bien la main, s'il vous plaît. Il faut lui demander d'arrêter de lui parler. Passe bien la main. De changer ma tenue. C'est toujours comme ça quand c'est toi qui dois donner. Toujours là à faire attendre. Car tu fais même bien d'en parler. J'ai donné tout mon salaire à Sinita. Je n'ai même plus 5 francs. Donc s'il te plaît, tu vas gérer après, je vais te rembourser. Regarde-toi, tu es devenu un enfant. Vous avez déjà fini. Maman, le gaz est fini. Il n'y a pas de souci. J'ai toujours la réserve de gaz Bocom. Quand le gaz finit, il y a un numéro qu'on appelle. Dans 5 minutes, tu es livré. Ma chérie, Maria, va prendre la bouteille déjà sur la voisine. Maman, c'est fluide. Ah oui, Bocom fait comme ça. Très rapide. Maman, j'ai oublié. Tantine Nakambe était ici. Ne se décourage pas. Oh non. Maman, elle a babadé là-bas. Ou elle racontait quoi? Oh. Maman, je n'ai même pas. Je me suis même pas intéressée. J'espère qu'elle n'a pas mangé mon gâteau ici. Elle va passer par où? J'ai invité ce week-end une amie à venir dîner avec moi. Et elle viendra sûrement avec son copain. Sans souci. Tu sais, jusqu'à présent, j'ai eu aucun de tes amis. C'est vrai. Sauf que je t'interdis de flasher sur elle et de gâcher sa relation. Mais Brenda, je mérite au moins un peu ton respect. Parce que tu penses que tu le mérites avec tout ce que je sais de toi. Le fait que tout soit très souvent. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Bonsoir. Bonne arrivée. Tu réponds sur quoi? Mais il y a quoi? Je vis seulement avec Lélé. Michel, donc comme ça tu as le courage de te lever le matin. Tu t'habilles, tu peux au travail. Tu rentres le soir nous poser la question de savoir comment était notre journée. Et tu penses qu'on va te répondre? Akamba, tu sais quoi? Là où je me trouve là, j'ai passé une dure journée aujourd'hui. Donc je suis fatiguée, je n'ai pas la tête à ça. Tout ce qui me reste à faire ici là présentement, c'est d'aller prendre ma douche et me reposer. Alors, la princesse. En tout cas, vous n'avez pas besoin de faire un dessin, j'ai compris. J'ai déjà compris que dans cette maison, c'est moi la marionnette. J'ai compris que dans cette maison, comme je n'ai pas de travail, comme je n'ai pas de maison, vous êtes libre de pouvoir me manipuler comme vous voulez. Erreur. Vous avez compris, non? Erreur.
Vous m'avez montré que je suis seule dans mon camp. Dès cet instant, comme je vous parle là, la machine est lancée. Voilà. Akamba. Akamba. De quelle machine parles-tu? J'espère que tu ne prépares pas un mauvais coup. Grand frère, mauvais coup ou pas mauvais coup, ma machine est lancée. Hey. Ah. Une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Vous êtes grande. Et bientôt vous irez en mariage. Où vous ferez désormais votre vie avec quelqu'un à qui vous aurez à rendre compte de tous vos agissements. En tout cas, pour la femme bantou, quand j'ai connu votre père, j'étais petite, très jeune. Je sortais de chez mes parents, là à Longchartier, nous nous sommes aimés. Et il a décidé de m'amener ici, dans cette ville, où il m'a tout donné, tout ce qu'une femme peut désirer. Comme tout homme, je ne dirai jamais qu'il était parfait. Mais il a toujours été là pour sa famille. Malheureusement, la mort l'a emporté très tôt. Maman, tout va bien. Il m'a tout donné. Parce que moi, je lui ai consacré tout. Ma naïveté et mon dévouement. Même quand je voulais autre chose, qui ne pouvait me donner pour mon épanouissement. Je me débrouillais qu'il était. Il était tout. Nous nous sommes battus tous les deux pour tout ce que vous voyez. Maman, nous sommes fiers de cette vie que vous nous avez donnée et que tu te bats à maintenir. Je n'arrive plus à causer avec vos tantes. Ni votre oncle, parce qu'ils veulent que je partage ce qui vous revient. Mes enfants, je ne laisserai jamais quelqu'un prendre ce qui vous appartient, pas de mon vivant. Sunita, tu dois te dire que je ne t'aime pas, mais c'est faux, ma fille. Je me soucie de ton lendemain. Si tu penses vraiment que ton avenir, c'est dans ton téléphone. Tiens. Promets-moi que Dieu va retourner à l'école et d'être bien sage. Tu peux compter sur moi, maman. Je te promets de faire les choses qu'on te conseille. Ton père n'est plus. Mais depuis que je t'ai présenté Ndema, tu crois que je t'ai trahi. Mais c'est faux, ma fille. Il est différent et tu gagnerais à le connaître. Sans lui, je me demande comment on s'en sortirait. C'est la seule personne avec qui je cause qu'il essaie de me changer sans me mettre la pression. Je l'aime. Et lui-même, il m'aime tellement. Je ne te demande pas de l'accepter, mais d'être plutôt gentil avec lui. Voici le reste de ton argent de pension qu'il a donné, malgré votre rencontre de la dernière fois. Merci, maman. Ça ne lui a pas empêché de faire ce geste. Mes filles, ne cherchez jamais qui vous êtes.
Maman, réveille-toi, il est 7h30. Laisse-moi dormir. Avant de te laisser dormir, dis-nous qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. On fait ce qu'on a l'habitude de faire, voyons. Ok. Je propose que Justine aille au café. Moi, je reste faire la cuisine, puis le ménage. Ensuite, je fais une vidéo. Voilà. Toi, à la cuisine. Ah, maman. Hé, hé. Oh, nous donnons d'argent, Clépingo. Bon, vous attendez quoi? Passons à l'acte. Non, reste là, maman. Tu n'as pas compris. Reste couché. Apparemment, je ne comprends pas. On a dit qu'aujourd'hui, c'est ta journée. Tu te reposes au maximum. Tu nous laisses. On va tout faire. Hein. On te sert à table. Tu viens manger. Si tu veux même le repas, te trouve dans ton lit. Ok. C'est ta journée. Merci. Merci, mes enfants. Écoutez, j'ai tout sommeil. Oh, maman. On te laisse bien te reposer, ok? À tout à l'heure. Akama n'est toujours pas revenu. Comme tu le constates, non. Michel, crois-moi, en ce moment je suis très inquiet parce que je ne sais pas ce qu'elle me jette dans sa tête. Grand frère, il m'arrive parfois de me poser la question si Akama et nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Tu t'en rends compte? Depuis hier qu'elle est sortie jusqu'à présent, elle n'est toujours pas rentrée. Elle ne fait pas signe de vie. On appelle le genre ce que quoi. Vraiment, quand je réfléchis sur cette histoire de bien, Michel, j'ai peur. Notre frère a laissé des enfants. Et à la lui ici, tu penses que s'il se réveillait aujourd'hui, en voyant tout ce qui se passe là, il serait fier de nous? C'est ton problème là-bas. Hein. Moi, je ne gère pas ça. C'était notre frère. Et il avait aussi le même sang qui coulait dans nos veines. Ça coulait dans ses veines. Donc, ça veut dire que les biens qu'il a laissés là, ça nous appartient aussi. Il est hors de question qu'on laisse cette maman Choco bénéficier de ses biens toute seule. Moi, je ne peux pas accepter ça. Et Michel, n'avons-nous pas beaucoup bénéficié de son vivant? Toi aussi. En tout cas, on se prend le soir. Ok, bonne journée. Pourquoi on va fermer tôt aujourd'hui? Je dois passer par l'école régler ma pension. Ensuite, j'ai des choses à faire à la maison avec ma soeur. Finita! On dirait que tu es surprise de l'entendre. Vous n'avez jamais fait ce genre de choses ensemble. C'est pour qui? Tic-tic. Non, ça n'a rien à voir avec TikTok. Ce sont les histoires de famille. Je t'expliquerai une fois que je serai de retour. En attendant, dépêchons-nous. Le temps ne joue pas en notre faveur. Ok. Déjà triste de savoir qu'on va se séparer demain après la remise de notre diplôme. Tu n'as pas à être triste, Rosine. Tu sais que tu es la seule qui m'a soutenue dans cette maison. Tu connais où me trouver. Et moi de même. Donc on pourra se voir quand on veut. Ok. Et qu'est-ce que tu as prévu faire après la remise des diplômes? Roger a prévu m'organiser une petite fête à l'occasion. Je suis impatient d'être à ce jour-là. Ma petite sœur, mon oncle, y compris mon amoureux, ils y seront là.
Et moi qui pensais que j'allais me retrouver toute seule. C'est la vie. Elle va lire. Tu es chanteuse, ma chérie. Maman, lequel préfères-tu? Le blanc. Moi aussi, je l'adore. Ok. Sunita. Oui, maman. Ta sœur et toi, vous me cachez quoi? Sois patiente, maman. Ok. Sois juste patiente. Non, non. Tu peux entrer. Je suis un démon. Surprise. Hey. Maman, si tu es heureuse, nous le sommes aussi. Oh, merci, ma chérie. Merci, mon gros, merci. Je suis contente. Oh, je t'aime beaucoup, ma fille. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Comment ça se fait que tu sois au Cameroun et ce n'est que maintenant que je te vois? Attendez, vous vous connaissez? On a failli se marier. Et toi, Franco, c'est le connard qui m'a anarché tout ce temps. Attendez, on a beaucoup d'histoires à se raconter ce soir. Mike. C'est qui? C'est qui? Je vais parler pour ta mère. À 7h de la nuit. Des hommes chez moi, tard la nuit avec des couteaux et des tournevis. Maman Choco,
J'avais promis faire une descente ici. Je suis là. Je suis en train de voir. Et que me vaut l'honneur de cette visite inopinée? On ne va pas jouer à ce jeu. Tu sais bien pourquoi je suis là. Donc ne perdons pas de temps. Tu veux maintenant vivre ici? Voilà. La remise n'est pas encore venue ici de la vie. Hé! Hey, oh Akaba, si quelque chose arrive à mes enfants, tu mourras! Fini les jeux. Maman, je te dis. Tu vois maintenant que je ne suis pas là pour jouer. Je veux les papiers de la maison de mon frère maintenant. Sinon, tu vas me tuer? Oui, je vais vous tuer. Tu es petite. Et je vais t'expliquer comment est-ce que ça va se passer. Je vais d'abord commencer par tuer tes deux bâtards. Ensuite, je vais m'occuper de toi personnellement. Donc, si vous êtes sage... Personne ne bouge! Monsieur ne bougez plus! Monsieur, oh, monsieur, jetez vos crânes au sol, monsieur. Nous avons reçu l'ordre de tirer sur vos abus si jamais vous nous résistez. Alors déposez ça! Mais oui, c'est un parti de plan qu'il ne connaît pas. Mon petit moine, je ne comprends rien. S'il vous plaît, monsieur Lumière, je tiens à ma vie, je veux pas mourir. La femme! Monsieur Boutin Bébou! Monsieur, je vois que vous voulez vraiment mourir. Lâchez cette fille! Lâchez-la, sinon je vais tirer sur vous! Non, jetez vos crânes. Jetez ça! C'est ça! Poussez ça vers moi! Poussez ça vers moi! Je ne veux pas finir mes jours en prison. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Chérie. Calme-toi, viens réfléchir. Ça fait trop de coups en un seul soir. Comment tu peux continuer de m'appeler chérie alors que je t'ai aidé à retrouver l'amour de ta vie? Je suis vraiment désolé de tout ce que tu as fait subir, Brunel. Ferme-la, sinon tu auras mon poing sur ton visage. La police sera là d'un moment à l'autre. Merci beaucoup, Brenda. Merci de me rendre juste. Oh, les amis, c'est fait pour ça. Et Mike. Maintenant que vous êtes retrouvés, dis-moi, c'est quoi la suite? Je veux dire... Qu'est-ce que je fais de tout l'amour que je ressens pour lui? Je ne pense pas que la décision nous revienne. Mike est un grand garçon et il sait ce qui est bien pour lui. Bref. Pour l'instant, permets-moi plutôt de célébrer la joie immense que tu me procures. L'argent immense que tu me procures en me libérant de ce scélérat. La liberté que je ressens en me débarrassant de ce morpion de ma vie, en fait. Comment tu as su, mon amour?
toi, ma chérie. Je manque souvent des mots pour te remercier. Merci, mon chéri. Merci beaucoup. Bonne nuit. Je t'aime beaucoup. Ciao. Une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour, je savais pas que la vie est aussi belle. Quand on n'a pas eu la chance de vivre le vrai bonheur, c'est pas facile. La veuve femme aujourd'hui, la nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée. Les mains. Dis-moi un peu. Qui es-tu? Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait. Je croyais que tu n'allais jamais me poser cette question. Je suis ton amoureux. Celui qui est prêt à tout pour te donner le sourire que tu mérites. Merci beaucoup. Je suis flatté. Mais je voulais juste te demander, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Attends. Viens. Viens un peu, on va marcher. Elle est belle la vie. C'est là que j'aime venir quand je veux. J'avoue que c'est ce que tu aimes vraiment. Si tu les connais toutes, tu n'attends que d'elles.
Je suis fils unique à mes parents. Après mes études en Europe, j'ai voulu m'y installer et travailler. Surtout que j'avais de très belles propositions. Mais entre-temps, mon papa est tombé gravement malade. Il m'a demandé de revenir gérer ses biens le temps qu'il se remette sur pied. Malheureusement, un mois après que je sois revenu, il n'a pas survécu. Je me suis trouvé pris au piège par les affaires de mon père. Mais tu m'avais jamais dit cela. Quoi? Que je suis milliardaire après le décès de mon père? Non. J'ai voulu que tu me connaisses, moi, et non ce que je prenne comme argent. Mais non! Ça devait peut-être me changer d'idée. Like you lost another one.